Salut à tous les amis Saltis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur eFootball 2024 et je vais vous montrer ce qu'il y a aujourd'hui à paquer puisque moi je vais pas paquer parce que j'ai décidé que j'en ai marre de paquer mais en tout cas il y a des gros joueurs aujourd'hui, ça aurait été mieux que mon Romario éclaté mais il y a du Nedved, du Albertini et du Edgar Davids. Donc le Nedved il va être à 103-104 je pense, Davids il va être à 102-103. À mon avis ça va être du très très lourd, le Nedved va être incroyable je pense. Il a 33 niveaux, le booster, il est comment le booster? C'est bosseur, plus de joueurs, de statistiques de genre agressivité, accélération, contact physique et endurance. Donc ça va être une machine de fou. Et le Davids, à mon avis, il va aussi être pas mal. Hein. Destructeur, vous avez un milieu de terrain, à mon avis, Davids, Rijkaard, ça va faire mal. Il a un booster duel qu'on peut mettre comme ça. Et ouais, déjà en défense, vous avez vu, les stats défensives sont déjà bonnes. Il est rapide, accélération, contact physique, endurance. Il a déjà 87. Il a 33 niveaux à monter. Donc ça va pas être un dribbleur et tout, mais il a déjà 78 en passe à terre. Donc vous pouvez également relancer avec lui. Ça va être une beast de dingue. Franchement, j'ai envie de les avoir. Hein. Je vous avoue, j'ai envie de les avoir, mais j'ai pas envie de mettre de l'argent là. Ça m'a saoulé. Franchement, je vous avoue, ça m'a saoulé. J'ai fait un match ce matin. Horrible. Ça m'a trop saoulé. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais je suis dans un état d'esprit encore comme la dernière fois. Dès que je joue en division, c'est compliqué. C'est compliqué de prendre du plaisir sur le jeu, c'est compliqué. J'espère que vous allez bien en tout cas. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo si vous aimez les vidéos. N'oubliez pas, smasher le bouton du pouce. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide à faire tourner les vidéos. Donc c'est important pour moi, n'hésitez pas. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne. Je ne fais pas souvent des bilans comme ça, mais franchement, là ce mois-ci, je fais le meilleur mois de la chaîne que j'ai jamais fait. Donc vraiment, merci à tous d'être là. Vous êtes au rendez-vous. Il y a beaucoup, j'ai regardé dans les stats YouTube, il y a énormément de spectateurs réguliers. Donc reviennent et qui viennent tous les jours. Donc vraiment, il y a au moins je crois qu'il y a 2000 personnes qui reviennent à peu près tous les jours à chaque vidéo et tout. Donc c'est vraiment, ça fait plaisir. Peut-être pas tous les jours, mais en tout cas qui regardent régulièrement toutes les semaines la chaîne. Donc merci à vous. Et que vous dire d'autre? Games Go, vous savez, pour faire baisser les trucs Netflix, le prix des abonnements Netflix, le lien est dans la description, code promo Altis. Et j'avais une question aussi pour vous, c'est ceux qui sont sur PS4, est-ce que les classements sont partagés entre PS4 et PS5? Est-ce que c'est les mêmes classements? Parce que je suis pas au courant du tout, est-ce qu'il y a PS4 et PS5 d'un côté? Et est-ce que le jeu il tourne bien sur PS4? Genre, est-ce qu'il tourne fluide, etc. J'étais en train de me demander quand même si j'allais pas prendre une PlayStation un de ces jours. Mais bon, une PS5 c'est quand même cher. Et je vais voir, mais je me disais peut-être une PS4, même si je pense pas honnêtement, ça fait très tard pour prendre une PS4. Mais je voulais juste savoir au cas où, est-ce que c'est les mêmes serveurs, etc. Donc voilà. Bon, vérification état de connexion. À mon avis, il n'a pas une bonne connexion parce que ça fait un moment qu'il a marqué ça. À mon avis, c'est pas une bonne connexion ça. On va voir ce que ça donne. C'est très très lent. Hein. Waouh, ça sent la connexion éclater, mais bon. On va voir. Il est 2300e. I want to die. Oh là 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 là, oh le nom qu'il a. Pff, oh là là. Je sais même pas si je vous le traduis. Déjà, il sait pas parler anglais, mais en plus. I want to die all Ukraine. Ça veut dire je veux mourir toute l'Ukraine, mais j'ai bien peur qu'il ait eu envie de dire j'ai envie de tuer toute l'Ukraine. Mais c'est affligeant. Je vais le reporter après le match. Et je vous montrerai son. Franchement, si vous êtes sur PC, reportez-le. On peut pas laisser des mecs marquer ça comme ça, en toute impunité. Ah, on a Romario qui est en forme. Oh là là, mais non. On a du Romario en forme. On va faire jouer Neymar en MO. Ok, on va jouer comme ça, les amis. Hein. On a Giroud en forme, au cas où. On a Marquinhos à la place de Van Dijk. Et le reste, ouais, ça paraît pas mal. Du coup, 2 MDC, 1 MO, 3 attaquants. J'ai même pas regardé sa composition, on s'en fout. De toute façon, vu comment le jeu est en ce moment, je fais une parenthèse, mais on s'en fout complètement. Ça changera rien. Si le jeu est scripté pour que je perde, je vais perdre anyway. Donc voilà, c'est parti. Let's go, les amis. Je vais contrôler. Si je peux... Alors, je veux répéter, mais...
On va parler de ça parce qu'il y a eu des gros débats là sur ma chaîne. Il y a eu 200 commentaires presque sur la. Bon, je vous dirai, je vais d'abord me concentrer et puis après on en parlera. Allez. Allez, Romario. Oh, allez, let's go! Romario et le but avec l'interception. But totalement. Si je le prends, je suis dégoûté. Allez, Neymar. En fait, j'ai retrouvé cette carte Big Time de Neymar. Je savais même pas que je l'avais. Honnêtement, je savais. Honnêtement, je savais pas que je l'avais, en fait. C'est un délire. Et je sais pas trop comment je l'avais montée, mais elle est pas mal. Elle a l'air pas mal. Ouf, dommage. Neymar. Mbappé. Ouah, la reprise de Mbappé, il était pas en jeu. Je suis dégoûté. Ça aurait pu faire 2-0 très très vite. Et on sait que dans ces matchs, en fait, si ça fait 2-0, c'est bien, parce que vu comment le jeu peut vous donner l'avantage à l'autre pour qu'il essaye de revenir, ça aurait été bien de mettre le deuxième but. Dommage. Non, Neymar, vas-y. Vous avez vu Neymar, il s'est complètement arrêté, le mec. Oh, je la mets pas là. T'abuses le jeu, là. Oh, t'abuses! Allez! Non! Ah, ça y est, ça commence. Le shit show commence. Ça y est, les gars, vous avez vu comment ça commence? Vous avez vu? Non, mais vous avez vu comment on lui donne un but? Comment ça commence? Le shit show commence, les amis. Regardez, je fais une passe là. C'est Aroro, je pense, il me fait une interception de fou. Allez, il faut mieux en rire qu'en pleurer. Il faut mieux en rire qu'en pleurer, les amis. Si on commence à en pleurer, on n'est pas sorti. Hein. Ah, ça passe pas, dommage. Il fait son pressing de gros porc, là. Ouais, ça marche, alors que... Allez, c'est pas grave. Je crois qu'il faut arrêter de commenter ce jeu. Faut même plus que je commente ce qui se passe, en fait. Vous savez quoi, je crois que je vais juste jouer, je vais plus commenter ce qui se passe, c'est trop énervant en fait. C'est pas la peine en fait de se casser les burnes à commenter ce qui se passe. Allez, dommage. Ah oui, bien sûr. Ouais. Pas faute là peut-être, non? Oh, dommage. Allez. Oh, dommage. Ça aurait pu passer, ça. Ça aurait été beau. C'est pas une petite faute, là, non? Pas une petite faute? Elle était belle. Allez, Romario. Oh oui, quel but incroyable. Non, je rigole. Il était pas incroyable, mais c'est un but. Allez, les amis, on continue. Il y a faute, là. Alors, lui, il siffle rien, l'arbitre. C'est sérieusement, là? Vous avez vu la faute qu'il me fait? Franchement, pour moi, il y avait clairement faute. Oh là là, oh là là. Oh là là, il y a tout qui passe. Oh là là. Regardez comme ils pressent à deux. Ils font tous ça maintenant. Ils font tous ça. Ils pressent à deux tout le temps. Qu'est-ce que tu veux faire? Je peux pas relancer, en fait. Bah tant pis, hein, je fais tourner. Je peux pas relancer. Le mec, regardez comme il presse comme un ouf. Comment ça, c'est possible que son équipe, elle soit pas morte au bout de... Oh, la passe de merde, Rodri. Allez. Allez.
Non, Neymar! Aïe, 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 dommage. Ah là là, Araujo, c'est incroyable. Vous avez vu les interceptions d'Araujo? Il n'y a pas besoin de le jouer, le mec. Une fois que tu l'as, en fait, t'as pas besoin de jouer avec lui. Il joue tout seul, en fait. C'est un truc de fou. Voilà, ils vont peut-être le nerf, vu ce qu'il a fait contre le PSG, là. Ils vont peut-être le nerf un peu, le Araujo. Ah là là, la passe ratée. Alors, bon. On va le calmer un peu. Il continue le pressing. Hein. Ces joueurs sont pas fatigués. Mais bon, allez, petite pause à la mi-temps. Bon, enfin bref, lui, vu son nom, de toute façon, il a réussi que 34 passes. C'est-à-dire qu'il a pas envie de jouer au foot. Il a juste envie de faire Y et de marquer en tirant. Il touche pas la balle et il faut que je le batte vu son nom. Donc voilà, on va essayer de le finir là. Il faut juste qu'on mette un troisième but et ça devrait bien se passer. On reste positif, on pense pas au script. On se dit qu'on va juste marquer un troisième but. Ça va bien se passer les amis. C'est parti pour cette deuxième période. Let's go, allez. Allez, le pressing. Prestellement qui passe. Vous avez vu Prestellement qu'en fait il se barre. Il reste même pas entre le but et moi en fait. Il se barre en avant parce qu'il presse. C'est incroyable. Allez. Comment on va tirer ça? On va essayer de faire le truc bugué. Hein. Enfin, le truc bugué. Le corner au premier. Allez. Yes, 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 yes. Dommage. Le pressing qu'il met, mais c'est incroyable. Mais faut que le jeu, ils se disent qu'on peut pas faire du pressing comme ça tout le match. C'est pas possible. Mais regardez le pressing qu'il met. Regardez. C'est impossible. Mais c'est dingue de laisser un jeu faire comme ça. C'est fou. Il est en ultra def. Hein. Je vais me mettre en ultra def aussi. Regardez le pressing qu'il fait. Il a Seedorf d'ailleurs. La Rummenigge, Mateus. Il a une énorme équipe, lui. Hein. Oh là là, mais Araujo, mais c'est... Mes jambes. Ce jeu de ouf. Ce jeu de fou, les amis. Ce jeu de fou. Regardez Araujo. Il a même pas besoin d'appuyer sur le bouton. Il fait la... T'as même pas besoin d'appuyer. Il fait l'interception. Sans... Ah, oh, le bâtard. Il essaye de me tacler. Oh, ce que je lui avais mis, dommage. Allez! Oh, aïe, aïe, dommage encore. Il faut que je lui mette un but à lui. Hein. Tiens! Mais mange! J'ai fait des chutes! Fais des chutes parce que c'est Romario qui te fait chut. Tais-toi maintenant avec tes tacles, tes trucs. Retourne au lobby. Il faudrait quand même que je... 32% de possession, putain, c'est dur. Oh, ça doit être dur, hein. Je vais... Ouais, je vais faire le truc qu'il faut faire. Sortir Neymar. Hop là. Attends, on va regarder son équipe parce que je crois qu'il a une grosse équipe en vrai. Hein. 3188, ah ouais, il a une grosse, grosse équipe lui. Ah, le Casemiro 103, là, il doit être bon, hein, je pense. Il joue avec Messi, il joue avec Sorloth. J'avais pas vu qu'il joue avec Sorloth. Oh là là. Après, j'ai essayé de jouer avec Giroud, donc... J'avais pas vu, c'est fou parce que... Il doit avoir tous les joueurs, tu vois, il doit avoir des Eto, des machins, des... Il doit avoir des Romario 103 et tout, il joue avec Sorloth, le mec. C'est waouh.
Bah alors, Rummenigge, qu'est-ce qui se passe? Tu joues toujours en ultra def? Bah alors? Allez, on va lui mettre encore un but. Oh là là, par contre, qu'est-ce qu'il a fait là? Il a failli faire une bêtise là. C'est Rodri qui est parti en profondeur, ça rime à rien. Allez, Rodri. Rien que pour la haine qu'il apporte sur le jeu, lui, il mérite de se prendre ça, lui. Aïe aïe aïe, regarde bien la célébration, mon ami. Regarde bien ton équipe de 3200 se faire détruire. Regarde bien les ralentis. Ceci dit, il quitte pas, hein. Franchement, on va dire qu'il a le courage de pas quitter, hein. Allez, c'est parti, Costa Curta. Rodri. Rodri qui va jouer sur Zakaria. Zakaria, l'une de Ribéry, peut-être. Oh, Ribéry qui va perdre la balle, attention. Bien sûr, regardez là. Oh, attention là, par contre, j'ai fait de la merde. Allez, on ressort propre. Bien joué. Bien joué. Allez, Kylian. Oh. Oh, vous avez vu, il a repris la balle alors qu'il était même plus là, le mec. Putain, ça, là, tu vois quand même les gros défenseurs, ça aide quand même pas mal, hein. C'était Maldini, ouais, c'est Maldini. Mais il joue encore en ultra def, le mec, hein. C'est dingue, hein. Allez. Oh, Romario qui met un quadruplé, mais non. Oh, j'hallucine. Romario qui met un quadruplé. Alors ça arrive pas souvent, hein. Ça n'arrive pas souvent. Bah écoute, lui, il a été bien puni. Je vais aller le report en plus à cause de son nom, là. Et puis voilà. 9 centièmes, il avait fait, lui. Oh là là. Neuf centièmes, ça m'étonne. Hein. Vu son niveau de jeu, ça m'étonne quand même qu'il avait fait 9 centièmes. Allez, on va faire un deuxième match. C'est parti, les amis. Je vous retrouve dès qu'on a trouvé un match. Let's go. Re, je suis sur mon téléphone. Real Mamad. C'est bon, ça, comme nom, le Real Mamad. On va jouer dans notre petit stade brésilien, là. On va essayer. Ah, je voulais changer le maillot. Bah, c'est pas grave, je changerai bientôt. On va mettre en noir, nous en blanc, je pense, ça va être pas mal. Ouais, je sais pas trop quoi penser du Neymar là. En émo, il avait l'air pas mal quand même, ce petit Neymar. Qu'est-ce qu'on a en forme? Romario, il a mis un quadruplé, obligé, on le fait jouer, hein. Tu peux pas le laisser sur le banc alors qu'il a mis un quadruplé, le mec. SA Messi.
assez. Mais si, on va le baisser un peu ici. Voilà, on va faire un truc un peu hybride comme ça. Qui en forme, Baggio. Ok, bon, ok, ok. Information sur l'adversaire, Ozymane Rashford. Ouah, c'est super rare de voir une attaque Ozymane Rashford. What the fuck, j'ai jamais vu ça, je crois. 4-1-2-1-2, Bellingham en soutien d'Ozymane et Rashford. Il a une petite équipe, 3057. C'est dingue, mais maintenant, 3057, on dit petite équipe. Il y a une époque où c'était une grosse, grosse équipe. Ça change beaucoup. Et du coup, bah, écoutez, on va voir. On va voir ça. C'est parti, les amis. Mais du coup, ouais, essayez de me répondre sur le truc PS4, PS5, là, si c'est le même classement et tout. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que tous ceux qui disent toujours... oui, sur PS5, tu passerais même pas la division 4 et tout. J'ai bien rigolé parce que ça m'a fait rire. J'ai deux personnes qui aussi, quand même, en ont marre d'entendre ça et qui m'ont dit hier dans les commentaires, joue sur PS4 ou sur PS5, je suis top 500, il n'y a aucun niveau. Enfin, il n'y a pas plus de niveau qu'ailleurs. Enfin, top... Je sais plus si c'était top 500, mais en tout cas, c'est dans les commentaires des vidéos précédentes. Et ça m'a fait marrer, mais ça me fait marrer à quel point en fait les gens pensent que les joueurs PlayStation genre sont différents. Ils pensent qu'ils ont un QI différent, des mains différentes, tu sais. C'est exactement les mêmes gens, les amis. Et j'ai envie de dire, même sur PC, il y a tellement plus de tryharders, de mecs qui ont de la thune puisqu'ils ont des PC gaming et qui doivent dépenser tellement de thunes dans le jeu. Je sais même pas si... Bref. Mais en tout cas, sur PlayStation, oui, il y a des pros, mais des pros sur PS, de toute façon, il n'y en a presque plus. Et oui, il y a sûrement plus de niveaux, mais il ne faut pas exagérer. Je suis d'accord hein, pour dire qu'il y a sûrement plus de niveaux, mais arrêtons quand même d'exagérer. C'est bon, les gens sont quand même faits du même... des mêmes os. Hein. C'est quand même les mêmes gens qui jouent. Bien joué, ça, Messi. Bien joué. Oh, ça passe pas! Oh, Romario, il est chaud. Putain, Neuer, par contre, il a pas bougé. Il a rattrapé ça, mais tranquillement. Ah, dommage, Messi. Ah, dommage, Romario. Ah, ça commençait bien, là. J'aurais bien aimé marquer direct. Aïe, 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 la relance moisie. C'est parti en haut. Allez, Mbappé. Oh, Mbappé. Oh, dommage. Aïe, 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 ça fait y être chaud. Ah, dommage. J'ai raté mon dribble. Oh, la relance horrible que je fais. Oh, heureusement que je me sauve comme ça. Allez, Ricard, cours. C'est pas trop ton style, là, de courir comme ça, Ricard, mais... Ah, dommage, la petite faute de Rodri qui a mis un bon coup d'épaule, quand même. Attention, c'est bien joué, l'une, deux. Oh, les relances catastrophiques qu'il me fait, les relances catastrophiques. Messi, oh, il y a faute sur Messi, les gars. À chaque fois, il siffle pas, ça, c'est une obstruction de ouf. Ça, faut une petite mage sur le gameplay, quand même. À chaque fois que tu fais ça, en fait, tu te prends... Il y a pas faute, quoi, mais c'est... C'est chaud quand même. C'est une vraie faute en vrai. Hein. Oh, c'est bien joué. Oh, oh là là, quelle occasion, quelle occasion. Non, je la rate. Oh non, c'était tellement bien joué tout ça. Putain, je suis deck. L'occasion, elle était trop belle. La construction était super belle. Oh là 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 là. Allez, on va le refaire. On va le refaire, les amis. On va le refaire, regardez.
Oh putain, mais c'est où? Je fais des occasions trop belles et ça marche pas. Oh, je suis dégoûté, franchement. Oh, les deux occasions que j'ai eues là, coup sur coup. Des belles relances de derrière. Avec du jeu en une touche, comme on aime. Putain, ça passe pas, hein, c'est ouf. Allez, Neymar. Pour Neymar. Oh, il te la met mal. Dommage, c'est Romario, parce que la passe, franchement, ça aurait été Mbappé ou quoi, je pense quand même, elle passait celle-là. Allez, Mbappé. Allez, Mbappé. Let's go. Il est beau l'enroulé, là. J'ai vu Neuer qui s'avançait. Je sais pas pourquoi il s'avançait comme un fou. C'est bizarre hein, qu'il soit avancé comme ça. J'ai pas trop compris l'intérêt. Non, 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 le bug de fou, là. Oh, c'est bugué sa mère, là. Attention, momentum. Attention, attention, momentum, je vous le dis. Attention. Allez, boum. Attention, momentum. Oh là là, oh là 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 là. C'est chaud. Ah, je peux plus sortir, là, c'est... Attention. Attention. Allez, allez, allez. Non, je voulais tirer, hein. Oh, mais laisse-moi jouer quand même, là. Bon, ça devrait passer quand même. Je pense que là, ça devrait passer, les amis. Faut juste être patient, mettre le 2-0 et contrôler le match. Faut juste que je mette le 2-0, après on pourra contrôler tranquille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est beau, il est beau, il est beau. Petit contre-pied sur le drip, pied droit, tout doucement le tir et ça passe à terre. Allez, maintenant contrôle les amis. Allez, la remise. Dommage. Mbappé. Ah, oh, dommage. C'est pour toi, Guardiola. Beau dégagement, là. Fait plaisir. Oh, c'était bien joué, putain. Le jeu, il me laisse faire des sacrées actions, là. Je prends enfin du plaisir après 3 mois, là. C'est peut-être parce que l'adversaire est pas super au point, mais... En tout cas, je kiffe. Ah, dommage. Je fais vraiment des beaux mouvements, comme... C'est très rare qu'on en fasse, je trouve, en ce moment, dans le jeu. Oh, ça arrive pas, ça, genre. Allez,
Allez, Mbappé, on y va. Pour Mario. Oh, il va la perdre, Mario, non? Oh, je peux rien faire. Oh, il me met un coup de physique, là, c'est chaud. Oh, il y a main. Ça aurait été bien qu'il y ait les mains dans le jeu, là. Il y avait une main de fou, là. Aïe, 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 la bêtise que je fais. Allez, c'est parti, Kylian. Oh là 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 là, le Neuer, il est chaud. On va faire des changements, les amis. Il a zéro tir, il a rien fait du match pour l'instant. On va faire entrer Giroud et Gabriel Jesus en attaque. Il a une équipe free to play, lui, hein. Je pense vraiment que c'est une équipe free to play. C'est pour ça que bon, voilà, il doit quand même un peu galérer, je pense. Allez, on va le tirer direct. Ouais, t'es pas mal à la tête de Jésus. Allez, Giroud. Ça passe? Ah, ça passe pas, dommage. Ah, ça passe pas encore. Il y a hors-jeu, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. What? Il y a pas hors-jeu là? What the fuck, mec? Il a mis Haaland avec le Joker, hein, donc faut faire attention, il peut mettre un but un peu n'importe quand, on le sait. Pour ça, on va essayer de contrôler le match maintenant. C'est fini, on ferme. Il y a faute, ouais. C'est fini, on ferme la boutique, là. Et on en a mis que deux, on aurait pu en mettre plus, mais là, on va fermer la boutique parce qu'on n'a pas envie de se prendre une dinguerie. Dommage, la passe de Giroud était pas mal. Il est fatigué, Neymar Junior, calme-toi un peu. Faute. Oh là là, il n'y a que des fautes, les amis. Allez, Giroud. Allez, Giroud. Oh là là, dommage. Giroud. Oh, encore une fois. Non, dommage. Ça va être la fin du match. Oh, je l'ai défoncé. J'ai pas fait exprès. Je voulais vraiment tacler la balle. Avec Rodri.
En tout cas, voilà, ça va être une belle victoire, tranquillement. Et c'est gagné. Bien joué à lui, Real Mamad. Peut-être français, en tout cas, peut-être francophone. Et en tout cas, bah écoutez, ça fait deux victoires. Ça fait plaisir pour une fois. Et bah voilà, n'oubliez pas le petit pouce. Je vous dis à très bientôt, Statis. Ciao à tous.